Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur iOS et Android. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment faire le partage de connexion Wi-Fi. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, bon. Pour ça, pour effectuer cette vidéo, il vous faut d'abord avoir une SIM, peu importe la SIM, une puce, une SIM. Et vous allez aller dans les paramètres de votre téléphone. Vous allez là, paramètres. Et lorsque vous êtes dans l'option paramètres, l'application paramètres, vous allez venir en bas. Vous allez voir partage de connexion. Vous allez cliquer sur partage de connexion. Vous allez voir le troisième là, configurer le point d'accès Wi-Fi. Vous allez entrer d'abord là-bas. Vous allez activer, afficher le mot de passe pour que vous voyez le mot de passe. Comme vous le voyez, c'est Aboubakar le mot de passe. Et là maintenant, vous pouvez sortir. Et lorsque vous connaissez le mot de passe, vous allez maintenant activer le point d'accès mobile. Et lorsque vous allez activer ce point d'accès, vous allez voir un truc qui va s'afficher en haut. Un petit point avec les traits très sur le contour comme ça. C'est ça le point d'accès Wi-Fi. Et là maintenant, vous devez ouvrir votre téléphone. Le téléphone qui va recevoir le partage de connexion, vous allez entrer dans l'option paramètres. Je disais avec le téléphone qui va recevoir le partage de connexion, donc vous allez aller dans paramètres. Vous allez venir dans Wi-Fi. Et lorsque vous êtes dans Wi-Fi, vous allez voir le nom de Wi-Fi là. Si vous constatez que c'est déjà bel et bien connecté à ce Wi-Fi, Techno 8MWX3, c'est déjà connecté à ce téléphone. Pour que je vous montre bien, vous allez voir, je vais faire oublier. Lorsque je viens, il va s'afficher comme ça. Je tape sur je tape sur ça pour mettre le mot de passe et mettre le lettre en majuscule Aboubakar. Et je vais lancer se connecter. Et on va voir batterie faible. Comme vous le constatez, il est déjà connecté à ce Wi-Fi. Bon, après que vous êtes déjà connecté à ce Wi-Fi, avant que le téléphone qui s'est connecté à votre partage commence à recevoir ces messages, vous devez d'abord, avec le téléphone que vous avez fait, vous avez activé le partage, allumer les données mobiles. Donc lorsque vous allez allumer la donnée mobile, immédiatement le téléphone qui a pris le partage de connexion commencera à recevoir ces messages comme s'il était connecté avec un box Wi-Fi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager et surtout à vous abonner. Bon, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.